Salut tout le monde, c'est Jérémy, on se retrouve pour parler d'un nouveau modèle chez Poco, le Poco X4 GT, un smartphone qui veut rendre le gaming accessible avec son écran 144Hz et son processeur, le Dimensity 8100, pour un prix qui reste contenu car on va le retrouver à partir de 299 lors de la période de précommande. Alors est-ce qu'il tient ses promesses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence par voir ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte, qui reste aux couleurs de Poco avec le jaune et le noir. On retrouve un outil éjecteur de carte SIM, de la documentation, une coque en plastique souple, un câble USB vers USB-C et le chargeur 67 watts. Comme toujours avec Poco, on a l'essentiel des accessoires nécessaires pour commencer à utiliser son smartphone. Ça semble normal de les avoir, mais on les retrouve de moins en moins chez des constructeurs pourtant plus haut de gamme. Pour le design, le smartphone mesure 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 200 g. Il est fait entièrement en plastique et on le retrouve en trois couleurs, noir, gris et bleu. Sur le dessus, on a un port jack, un haut-parleur, un micro et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power qui sert aussi de capteur d'empreinte. Sur le dessous, on a le tiroir dual SIM, un micro, un port USB-C et un second haut-parleur pour la partie stéréo. Alors je trouve le design assez joli, c'est sûr que c'est pas le téléphone le plus léger ou le plus fin, mais il donne un aspect plus premium que son prix, et on a une bonne prise en main au passage. Pour l'écran, celui-ci mesure 6 pouces 6 avec une résolution Full HD+, c'est un écran LCD IPS 650 nits pour la luminosité, ce qui permet de l'utiliser au soleil sans trop de soucis, en tout cas on arrive à voir quelque chose. Il a un taux d'échantillonnage tactile de 270 Hz, et point le plus marquant, c'est son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Qui va venir apporter plus de fluidité dans la navigation ou dans les jeux. Encore faut-il que le jeu tourne à plus de 60 ou 90 Hz pour en profiter, ce qui n'est pas le cas sur les jeux les plus populaires, et entre 120 et 144 Hz, je suis pas sûr que la plupart des gens voient la différence en navigation. On retrouve les options habituelles pour modifier les couleurs, mais aussi pour choisir le taux de rafraîchissement, entre le mode par défaut qui ajuste le taux automatiquement, ou on peut choisir de le forcer en 60, 90 ou 144. Les bordures restent assez fines, mais c'est vrai que personnellement je suis pas très fan des écrans LCD, même si ça permet d'avoir un taux de rafraîchissement plus élevé. Je préfère profiter du contraste, des plus belles couleurs et surtout des vrais pixels noirs de l'AMOLED, surtout quand on l'utilise dans le noir complet. On voit aussi d'ailleurs autour du capteur selfie ou proche des bordures des pixels plus sombres. Maintenant en jeu ou dans les tâches courantes, ça va très bien. Bien entendu, un écran AMOLED coûterait plus cher et il faudrait bien trouver un moyen de garder le prix contenu, et au moins on gagne en taux de rafraîchissement quand certains constructeurs continuent à proposer du LCD qui ne dépasse pas les 90 Hz. Pour la partie puissance, le téléphone est équipé du MediaTek Dimensity 8100, de 8 Go de RAM en LPDDR5 et de 128 ou 256 Go de RAM en UFS 3.1. Il arrive avec MIUI 13 pour Poco et Android 12 d'installé, et il fait aussi NFC et 5G. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 754 583 sur AnTuTu, 13005 sur PCMark, 920 et 3684 sur Geekbench et 5846 sur 3DMark avec un FPS moyen de 35. J'ai aussi lancé un test plus poussé pour tester la stabilité et j'ai obtenu une stabilité de 66%. C'est pas aussi bien que ce que j'avais pu tester sur un smartphone concurrent, lui aussi équipé du même processeur et qui était plutôt autour des 80%, à voir si ça s'améliore avec des mises à jour. En jeu, on pourra donc jouer au dernier jeu sorti sans problème. On peut monter les différentes caractéristiques. J'ai essayé de jouer à Genshin Impact avec les paramètres au maximum et l'expérience en jeu reste fluide. J'ai pas eu moyen de voir les FPS précisément en continu, mais au niveau de la chauffe, je suis resté sous les 40 degrés, ce qui est très bien pour un smartphone prévu pour jouer. Pour la partie audio, le smartphone dispose de la stéréo avec ses deux haut-parleurs, mais aussi d'un port jack pour y brancher des écouteurs. Alors c'est un bon point pour un smartphone gaming, car le Bluetooth c'est très pratique, mais en fonction des jeux ça peut gêner si on veut vraiment réagir vite en entendant un son, surtout dans les FPS par exemple, ou si le son arrive avec un léger délai, comme c'est souvent le cas en Bluetooth, c'est un petit peu trop tard pour réagir. Pour les haut-parleurs, ceux-ci font le job sans être exceptionnels, et je vous mets un exemple tout de suite. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5080 mAh et d'une recharge rapide de 67 watts. Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark pour passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu 13h40 en utilisant le mode de rafraîchissement automatique. Dans l'idée, ça permettra de tenir la journée. Forcément, un écran 144Hz consomme plus d'énergie et si on veut économiser davantage, ça sera peut-être plus judicieux de le bloquer à 90Hz quand on fait rien de particulier. Si par contre on le bloque sur 144, on aura une moins bonne autonomie forcément et là on aura du mal à tenir la journée complète. Pour la recharge, il faut compter environ 40 minutes, ce qui reste suffisamment rapide à mon goût. On peut facilement trouver le temps de le laisser brancher quelques minutes quand on mange, quand on prend une douche, n'importe quoi. Et si on n'attend pas d'être trop bas sur la batterie, bah ça permettra de recharger pratiquement complètement assez rapidement.
Pour la partie photo-vidéo, celle-ci est composée d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, d'un capteur principal de 64 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, et pour le capteur selfie, celui-ci fait 20 mégapixels. Quand les conditions de luminosité sont bonnes, le capteur principal donne de belles images. L'ultra grand angle manquera un peu de détails, comme c'est souvent le cas sur ce type de capteur un petit peu moins performant, en tout cas sur des smartphones plutôt dédiés au gaming, et on essaye de garder le prix assez bas. Le capteur macro, bah comme tous les capteurs macro de 2 mégapixels, n'est pas terrible forcément. Alors nous voici dans l'application photo, donc je vais vous montrer rapidement les différents menus qu'on va pouvoir avoir. Dans la partie vidéo, on va pouvoir choisir les différentes résolutions, donc en Full HD 30 fps, Full HD 60 fps ou 4K 30 fps. Donc ici, ça sera sur le capteur principal. Sur le capteur ultra grand angle, on pourra monter que jusqu'en Full HD 30 fps au maximum. On a différents modes, par exemple pour pouvoir faire des photos de ces documents. Donc ça peut être pratique justement si vous voulez utiliser votre smartphone pour scanner quelques documents, soit en noir et blanc, soit en version améliorée. On va aussi avoir un mode professionnel donc qui va vous permettre de gérer toutes les différentes choses, tous les différents paramètres qu'on peut retrouver. Dans la partie vidéo, on peut aussi monter toujours jusqu'en 4K 30 fps. On a aussi la possibilité d'avoir tout le temps la vérification d'exposition, les zébras. Et sur la partie droite, chaque paramètre peut être modifié de façon personnalisée. On a bien sûr le mode portrait pour pouvoir gérer le flou d'arrière-plan, le mode nuit qu'on va pouvoir utiliser sur les différents capteurs en ultra grand angle ou en zoom x2 en fonction de ce que vous voulez faire. Et enfin dans la partie plus, on va avoir à peu près les mêmes modes qu'on retrouve habituellement, la possibilité de faire des photos en 64 mégapixels, le mode vlog, les modes d'exposition longue, la fonction clone, et ça sera à peu près tout. Donc on a peut-être un peu moins de fonctions que sur le modèle, sur le Poco F4 par exemple, mais du coup on a quand même les options standard. Voilà un exemple de ce que donne la qualité du capteur selfie. Donc ici on pourra filmer jusqu'en Full HD 30 et 60 fps. Donc ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de choix. Et comme vous voyez, la stabilisation électronique fonctionne plutôt pas mal. Donc ça vous permet de vous filmer et de vous déplacer facilement. Voici maintenant la même chose avec le capteur principal. Donc ici, on pourra filmer jusqu'en 4K 30 fps. Mais par contre, la stabilisation, elle n'est pas parfaite. Donc comme vous le voyez, quand on bouge, on a quand même des micro-saccades. Mais si on fait attention quand on se déplace, ça va encore. On peut réussir à faire de belles images, même en mouvement. Voici un autre exemple de vidéo 4K, cette fois avec un temps un petit peu plus couvert. Donc comme vous voyez, en marchant, la stabilisation fait que forcément ça bouge un petit peu plus que ce qu'on aurait l'habitude, ou en tout cas que ce que le processeur pourrait faire en termes de stabilisation électronique. Voici un autre exemple, cette fois en Full HD 30 fps. Comme vous le voyez, la stabilisation fonctionne bien mieux. On a quelque chose d'assez fluide et ça sera du coup plus facile de faire des plans agréables à regarder en Full HD. Il faudra peut-être remonter ensuite la résolution dans votre logiciel de montage en fonction de là où vous voulez l'intégrer. Pour le prix, on retrouve le modèle 828 à 379 € et le modèle 8256 à 429. Fidèle à son habitude, la marque propose des offres de lancement qui dureront du 4 juillet au 9 juillet. Je vous mets l'heure exacte dans la description. Pendant cette période, les téléphones passeront à 299 et 349. Et sur le site Poco, on pourra avoir les écouteurs Poco Buds Pro en version Genshin Impact et la montre Poco Watch offerte, qui fait une valeur totale de 140 €. Je pense que c'est quand même intéressant si vous cherchez aussi des écouteurs et une montre pour aller avec. Forcément, à ce prix-là, ça le rend vraiment intéressant pour plusieurs points. Déjà, le design que je trouve réussi, on a de la stéréo, on conserve le port jack, son processeur permet de jouer dans de très bonnes conditions, on a une autonomie suffisante et une recharge suffisamment rapide, et enfin, le capteur principal permet de prendre des photos de bonne qualité en journée. L'écran sera forcément beaucoup mis en avant d'un point de vue commercial pour son taux de rafraîchissement, mais pour moi j'aurais préféré avoir moins et de l'AMOLED à la place, car c'est ce qu'on a sur les autres modèles Poco, et quand on est habitué, on a un petit peu l'impression de revenir en arrière en repassant sur du LCD. On a par contre un téléphone abordable qui permet de jouer au jeu dans de bonnes conditions, donc finalement la promesse est tenue, à mon avis en tout cas. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce smartphone. Dans mon cas, je pense que pour quelqu'un qui cherche un téléphone pour jouer principalement, ça sera forcément un téléphone vraiment intéressant, parce qu'on trouvera pas forcément la même chose chez la concurrence, en tout cas ça coûterait beaucoup plus cher. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.